L'armée a été appelée en renfort face aux violences meurtrières entre hindous et musulmans dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde. Un contingent de 800 soldats a été envoyé ce samedi soir dans cet état du nord du pays, après la mort d'environ 10 personnes, dont un journaliste et un photographe. Un couvre-feu a été imposé dans plusieurs districts. La violence a éclaté quand des bandes armées des Jats, un groupe pratiquant l'hindouisme, ont envahi une mosquée et un village où vivent des musulmans. D'après des médias locaux, une dizaine de personnes ont également perdu la vie ce dimanche. Selon un responsable de la police, les tensions interreligieuses ont été alimentées par la diffusion sur Internet d'une vidéo qui montrerait le meurtre de deux musulmans le mois dernier.